بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل بيس وسيغفو فخيزي سير الله تبارك وتعالى s'adresse à ses croyants dans le Coran et dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dit, ô mes serviteurs qui aurez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il est certes le pardonneur et le très miséricordieux. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset s'adresse à ses adorateurs, à ses serviteurs. Et il nous dit, dis, ô mes serviteurs, قُلْ يَا عِبَادِي. Il s'adresse donc à nous, tous, et plus particulièrement à ceux qui auraient commis des excès, des péchés. Et il les invite à revenir vers lui. En toutes circonstances, que tu aies délaissé la prière, que tu aies délaissé un des fondamentaux de la religion, que tu sois tombé dans le péché, car c'est de la nature de l'être humain de tomber dans le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « Kullu bani Adam khata » Chaque fils d'Adam est pécheur. Et le meilleur des pécheurs, « Wa khayrul khata'in at-tawwabun » Le meilleur des pécheurs est celui qui se repent, qui revient vers Allah, qui regrette le péché qu'il a commis et qui donc revient vers Allah tabaraka wa ta'ala, lui implore son pardon, qu'il ait commis de grands péchés, péché majeur, péché mineur, il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala et Allah se réjouit de son repentir, le repentir de son serviteur. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a gardé pour lui 99 parties et il a fait descendre sur terre une seule partie de sa miséricorde, Azza wa Jal. Donc, c'est avec ce 1% de miséricorde que nous faisons miséricorde entre nous, entre frères et sœurs, que les parents font miséricorde à leurs enfants, que la bête sauvage fait miséricorde aux autres animaux. C'est avec ce 1%. Donc imaginez-vous, mes frères et sœurs, la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. 99% sont restés à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit certes dans le Coran, « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Et miséricorde enveloppe toute chose. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.